spreaded across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can. Bonjour tout le monde, c'est Flay et on se retrouve pour un nouveau tuto de comment personnaliser votre cinéma 4D. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de changer la fenêtre qui s'ouvre là un peu blanche, orange avec le symbole de cinéma 4D. Comment la changer? Le deuxième truc, c'est comment changer la couleur de votre cinéma 4D, donc par rapport au wood et par rapport à la prévue. La troisième sera pour faire des raccourcis. Et le dernier truc sera comment définir un projet de base sur Cinema 4D. Donc c'est parti, on va commencer par comment changer la fenêtre du début. Donc pour cela, vous allez allumer votre Cinema 4D. Vous allez là, vous cliquez ici sur propriétés, ouvrir emplacement du fichier, ressources, VMP. Et là, vous ouvrez Paint. Non, pas Paint. Non. Vous allez ouvrir Photoshop et en fait vous allez vous allez faire un backup du Splash 14, d'accord. Donc vous allez le copier-coller, vous allez le foutre n'importe où. Donc moi je vais le déplacer dans Ripple et en gros là votre Splash 14 vous allez le mettre sur Photoshop et là vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc pensez à laisser ça en fait. Vous pouvez changer la couleur. Mais ne le délétez pas. Donc pour changer la couleur, CTRL U. Oui, vous pouvez changer la couleur. Donc moi je vais mettre un petit bleu comme ça. Maintenant je vais mettre mon logo par exemple. Donc on va mettre mon petit logo. Ouais, c'est bon. Donc là vous allez tout simplement sauvegarder, d'accord. Save. Pensez juste à delete, enfin à ne pas laisser votre cinéma 4D ouvert, d'accord. Donc là vous allez sauvegarder Splash, vous allez le sauvegarder en JPEG, je crois, ouais, en JPEG sur Splash 14, le remplacer. Oui, je veux le remplacer. Attendez, on va juste enregistrer normalement. Voilà. Maintenant, on va le sauvegarder en JPEG, mais on va le sauvegarder dans le bureau. Et on va mettre Splash 14, attendez. On va mettre Splash 14. On va le mettre en JPEG. D'accord, si ça marche pas, vous allez le mettre dans le bureau. Vous allez ouvrir votre direction de Cinema 4D. Ressources, VMP. Là du coup, Splash 14, déplacer, boum, remplacer, et c'est bon. Voilà, c'est déjà plus beau qu'avant. Hein. Donc voilà, maintenant on va apprendre à modifier la couleur de Cinema 4D. Pour cela, je vous conseille de faire Windows R, taper apdata, comme pour aller sur truc là, sur Minecraft. Vous cherchez par... Non, vous venez en arrière, vous... Non, attendez. J'ai un blanc. Je crois que c'est dans... Vous allez dans Edit, Préférences, Open Preference Folder. Voilà, donc c'est dans Roaming Maxon. Et moi, du coup, c'est lui-là. Donc ça, vous allez le copier-coller. Et vous allez écrire backup. Backup. Maintenant, ici, dans Shame Color, vous allez dans Edit, non, dans Interface. Et là, vous avez l'interface qui est autour de la prévue. Donc là, par exemple, le General Background, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est ça en fait. C'est la couleur principale. Donc là, de base, c'est. Je sais pas. Mais de base, c'est moins clair. Donc vous pouvez mettre. Comme vous voulez, je pense que de base c'est à peu près comme ça. Moi je le mets noir comme ça, un peu plus quand même, genre comme ça. Voilà, donc moi je le mets comme ça, quand même un peu moins en fait. Donc voilà, moi je le mets comme ça. Après ici vous avez d'autres trucs, je sais pas ce que c'est.
Ah ouais, ça c'est bah c'est la couleur de tous les trucs. Je pense que je vais la mettre un peu en bleu foncé. Ouais, j'aime bien comme ça, voilà. Maintenant, en fait, je vais être un peu plus clair. Ouais, voilà. Donc maintenant, dans Edit Color, vous avez le background 1, le background 2, truc. Ça, c'est comme un color gradient sur After Effects, ce qui veut dire que là en haut, enfin, que là, c'est le 2, et que là, non, putain, le gradient 2, c'est celui qui est en haut, et le gradient 1, c'est celui qui est en bas. Ce qui veut dire que si là, je change et je mets en rouge, en haut, ça sera rouge. Ici, en haut, ça sera rouge, et ça fera un dégradé par rapport à celui d'en bas. Donc moi, je mets en bleu. Voilà, là j'aime bien, c'est plus foncé et tout. J'aime bien. Maintenant, pour mettre les raccourcis et pour faire des raccourcis, vous allez dans Windows, Customize Palette, d'accord? Dans New Palette, vous allez écrire les 5 trucs que vous utilisez le plus. Donc normalement, c'est le fracture. Putain, fracture. Merde. Il faut pas cliquer dessus. Il faut faire fracture. Donc là, vous le glissez dans la Unpeeled Palette. Après, normalement, c'est le plane. Donc le simple en français. Après, c'est le step pour moi. Le step. Après, c'est le formula. Formula. Après, c'est le plane. Là, quand vous avez fait ça, vous allez ici. Vous faites Save Palette As. Et là, j'ai ma palette. Donc là, j'ai la palette avec les trucs de base. C'est comme ça que j'ai appelé le truc. Et en gros, maintenant, vous allez dans l'autre palette, vous chargez la palette, d'accord? Vous la foutez n'importe où. Vous rouvrez le menu de palette. Vous la glissez là en haut. Voilà. Et là, dans... Attendez, et là, dans... Ici, là, vous délétez la palette, puisqu'elle est vide maintenant. Et là, dans Windows... Menu, non, dans Layout, vous faites Save as Setup Layout. Ce qui veut dire que maintenant, ceci est votre cinématique de base, d'accord? Mais vous pouvez aussi lui mettre un nom. Donc là, vous pouvez mettre Layout avec raccourci, enfin bref, ce que vous voulez. Et en gros, ça va apparaître là. Donc là, par exemple, j'ai ma bite 1, 2, 3, c'est mon layout, tu vois. Maintenant. Et maintenant, on va apprendre du coup à mettre votre projet défaut, donc à faire un projet défaut. Donc moi, je vais tout simplement mettre la base des intros, donc c'est un circle à 0,0. Tuc. Voilà, c'est bon. Ça, on va dire que je veux que ça soit mon projet de base. Vous allez dans Préférences, Open Preferred Folder. Vous allez copier ce petit truc. D'accord? Vous allez dans Save As. Vous allez coller ce petit truc. Vous allez faire New. Écrire new, donc nouveau, vous allez ouvrir ces 4D et la magie. Voilà. En gros, maintenant, vous savez comment mettre un projet défaut. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est inutile, et voilà. Ça vous prend 2 minutes à faire. Et ça va vous économiser 2 minutes. Si vous faites 2 intros par jour, ça va vous économiser 4 jours. Ce qui veut dire, bon, allez, tous niquer vos darons, c'est putain de pratique.